Salut à toutes! Aujourd'hui, je suis avec Sarah. Vous la connaissez sûrement puisqu'elle réalise tous les make-up, shootings du blog et même d'autres. Donc, vous savez qui elle est, c'est la pro du maquillage. Aujourd'hui, on va vous faire un tutoriel pour réaliser des lèvres comme Kylie Jenner pour si vous n'avez pas de Botox puisqu'on n'a pas tous le budget. Du coup, vous allez avoir besoin d'un crayon, d'un rouge à lèvres et bien sûr, les deux de la même couleur. Donc là, j'ai un crayon rouge, j'ai le rouge à lèvres rouge. Ils viennent de la collection Gwen Stefani avec Urban Decay. On vous mettra bien sûr la référence. Et pour les côtés techniques, alors, moi je vais utiliser donc un pinceau plat pour plus de précision et une spatule que moi je préfère puisque c'est pas mon rouge à lèvres. C'est plus génial. Mais on vous expliquera ça bien sûr après. Du coup, c'est pour avoir ce super résultat que Sarah a réalisé. Donc, si ça vous intéresse. Donc, on va commencer par le crayon pour faire le contour des lèvres. Donc là, je vais commencer par l'arc de Cupidon. Ensuite, on va rejoindre la fin de la lèvre. Et du coup, là, j'ai épaissi de 1 mm. Si tu veux des plus grosses lèvres, tu grossis de plus de 1 mm, en fait, selon l'intensité que tu veux grossir ta bouche. Tout à fait. Alors là, je vais prendre un pinceau plat qui va permettre d'aller plus en détail et je vais venir fondre mon contour des lèvres pour que ça soit un peu plus naturel. Là, je vais venir prélever mon rouge à lèvres. Donc comme c'est pas le mien, je vais utiliser la spatule. Alors moi je l'applique au pinceau parce que je trouve que c'est plus précis. Mais après chez vous, vous pouvez l'appliquer au raisin, il n'y a pas de souci. Là, je vais prendre un coton-tige si jamais vous avez fait une petite erreur. Tout à fait. Vous l'avez donc compris, il faut surtout un bon crayon adapté à votre rouge à lèvres et de la précision pour faire de jolies lèvres un petit peu plus gonflées comme Kylie Jenner. Et ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas dès le premier coup, c'est normal, c'est comme la liner. Faut s'entraîner et au bout de plusieurs fois, vous allez arriver à gérer la symétrie. On espère que du coup, ce petit tutoriel vous aura plu. Si vous avez d'autres idées, que ce soit tuto make-up, coiffure ou quoi, n'hésitez pas à nous dire et on essaiera de faire une petite vidéo. Et puis pour vous tenir au courant de nos nouveautés, suivez-nous sur Instagram. Oh là là, oh regarde-moi ce beau teint, oh là là. Oh, cette poudre MAC, elle est vraiment bien. Oh là, oh, parfait. Je suis magnifique.